Bienvenue dans ce nouvel épisode des Suisse Votes. Vous voyez là les petites gouttes sur mon front? Ouais. Oui, c'est des gouttes de sueur, hein, parce qu'il fait chaud, c'est la canicule, c'est dégueulasse. Le réchauffement climatique en fait. D'ailleurs, je me suis demandé jusqu'où les gens sont prêts à aller pour un réel changement. Et si on interdisait aux Suisses de prendre l'avion pour leur voyage en Europe? Allez, on va check ça à Lausanne. Il fait très très chaud. Mec, là j'ai envie de prendre des jeunes qui sont genre... Voilà, ferme ta gueule, hein. Comment avoir plus de répartis? Bonjour à tous. Salut! Salut! Vous êtes peut-être dérangé, on récolte des signatures pour l'initiative populaire fédérale pour réduire les émissions de CO2 en Suisse. Ouais. Et du coup, on interdirait aux Suisses de prendre l'avion pour des voyages en Europe. T'as pas hésitant? Ah ouais, c'est... non, dommage. Ah oui, comme ça. Il y a 44 personnes qui passent, qui prend la seule mineure, mec. C'est quel genre de vie, ça? Gates kick this shit. En train ou en voiture ou... Tu vas en train? T'es pas pour? Bah, t'es pas pour du tout. Bah, ouais, de... c'est un peu revenu en arrière. Non? Pardon, on l'entend pas. Pour réduire les émissions de CO2. Okay. Et en fait, ce serait pour interdire aux Suisses de pouvoir prendre l'avion pour les voyages en Europe. Okay. Donc, je sais pas si vous voulez signer. Okay. Est-ce que vous pouvez signer, s'il vous plaît? Ok. Nous aussi, peut-être, tu vois. Je travaille pas pour... Peut-être à qui? Oh, wow, les gars! Et on le voit, certains font des efforts. Greta Thunberg, la Suédoise de 16 ans, a fait à 16 ans, hein, Suède-Suisse en train. Ouais. C'est quand même 40 heures d'avion, donc et elle l'a fait quoi. 40 heures d'avion ou de train? 40 heures de train. Ouais. Mais c'était juste pour voir si vous suivez bien en fait. Ok. Elle est manipulée par la gauche un peu. Elle est manipulée, Greta, tu penses? Ouais. Bon, c'est cool, il y a beaucoup de signatures, mais en vrai. Je suis en train de me transformer en fontaine, mec. Fin du tournage, j'ai fini là-dedans, c'est moi qui vous le dis. Mais comment tu fais quand il y a un enfant qui pleure à côté de toi dans un avion? Tu... comme ça, okay. Tu le tapes? Ah, tu l'étouffes, carrément, oui. Un adolescent ultra nerveux et colérique. S'il y a un bébé qui crie dans un wagon, on peut changer de wagon. On peut changer, normalement. Ben ouais, c'est ça. La merde, hein. C'est ça c'est la merde. Ouais. Ok, vous avez un bateau, d'accord, très bien. Bon bateau alors, tant que c'est pas l'avion, ça va. Il y a un bateau dans ta boule. On va prendre le bateau. Ah, vous avez le bateau? Le bateau, il me casse les couilles. On va pas avoir le temps. Ah, vous avez le bateau? D'accord, tout le monde a le bateau, ouais, c'est vrai. Bonjour monsieur, vous avez le bateau? Alors, le bateau, il est par là. Il est par là, si jamais le bateau. Il est par là et le respect, il est très loin. Houston, now controlling. On avait le choix en fait d'abolir les pailles ou l'avion. Mm-hmm. On s'est dit bah allez on garde les pailles en plastique parce que c'est chouette, c'est une petite terrasse et tout, petit cocktail. Et j'ai jamais vu de gens boire un cocktail avec un avion. Moi j'ai une passion, c'est les pailles. Mais je sais pas vous. Les pailles ça sert à rien. Ok ouais. Bah c'est vrai. Comment fabriquer une flûte de pain avec des pailles? Bah en fait c'était un peu, on s'est dit c'est un peu les pailles ou les avions, on s'est dit bah on fourre les avions quoi. Comme ça. Ok. Bah mais les pailles et les avions c'est pas la même chose. Nous, chez moi, on n'a plus de paille, tu vois. Il n'y a plus de paille, mais non. Bah, je vais commander des cocktails. Recyclaille. Des pailles recyclaille. Ah, quelle horreur. À Lausanne, on a des pailles en plastique. En plastique. T'es toute ma gueule. Est-ce que tu te foutrais pas de ma gueule par hasard? Ouais, je l'ai déjà fait. Ah, c'est vrai que tu l'as déjà fait? Ouais, ben, il y a deux jours. Oui, ok. Oui. Ok. Et vraiment, c'était. Il y a. Ben, je sais plus, c'est un de tes collègues, je sais plus comment il s'appelle, mais. Ah ouais, c'est ça, c'est toujours l'initiative que t'as signé, enfin... Bah contre le carbone, enfin tout ce qui est initiative, okay. Contre l'émission, comment ça les CO2. Ouais, bah tout ce qui est émission de tout ce qui est pas bon pour nous, ouais. Pour respirer, tout ce machin, ouais. Ouais. Et c'était pourquoi, pour genre concrètement... Bah, c'est pour contrer justement tout ça, pour contrer... c'est une initiative, quoi. Ouais, c'est une initiative, ouais. Ok, bah merci beaucoup. Pas de soucis, mais bon courage à faire ça, parce que c'est bien ce que vous faites. Fin du tournage, j'ai fini là-dedans, c'est moi qui vous le dis. Je vais vraiment me baigner genre à donf, tu vois. Je sens rien du tout. Bon, après 2 heures de tournage, une insolation et 19 coups de soleil, bah, je suis content de ma journée, parce que les gens n'étaient pas choqués par cette initiative. Alors après, je sais pas s'ils sont prêts à abandonner complètement l'avion, mais au moins pour eux, c'est un sujet sérieux et ils sont prêts à en discuter. Donc si jamais il y en avait un ou une d'entre vous qui voulait lancer une idée d'initiative, bah, je vous la laisse.
Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Abonne-toi à Tataki, passe beaucoup de crème solaire, bois de l'eau et je te fais des becs. Oh, des vertiges, je vais tomber dans les pommes, hein. Ça va être marrant pour la vidéo ça. We'll be right back.